Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 190 de BBS. Si je ne l'ai pas fait à l'épisode précédent, je mettrai à jour la playlist à l'apparition de cet épisode. Mais je pense que je le ferai pendant le plot de cette vidéo. Et bah c'est parti. C'est parti. Alors, vous l'entendez peut-être, j'ai un peu baissé le son de la musique. Elle me paraissait plus haut que d'habitude. Donc, je l'ai drastiquement rebaissé. J'allais juste réajuster mon micro. Voilà. Et on est parti. Donc, l'encyclopédie des Arrancars Primera. On va voir un petit peu. Ça tourne autour de Stark, de Lilinette. L'encyclopédie des Arrancars. Bien, je vous propose d'ouvrir l'encyclopédie des Arrancars. Aujourd'hui, nous allons parler de Stark, l'Espada numéro 1, également appelé Espada Primera. Comme vous le savez déjà, plus le chiffre porté par un Espada est faible, plus sa puissance est élevée. Cela signifie que Stark, en tant que Primera, est le plus fort des Espadas. Mais bien que sa puissance ne puisse être mise en doute, il ne semble pas apprécier le combat en lui-même. Sans plus attendre, je vous propose de nous rendre chez lui. Alors, si ça dure pas trop longtemps, je mettrai en fait l'accéléré de Safouaï après et on fera un peu de tirage. On verra. Ah, le voici, je vois que Lilinette est en sa compagnie. Tu veux parler à Stark? Il fait la sieste, là. Ah, en fait... il dormait déjà pendant la réunion tout à l'heure. Kaname s'est énervé. Hein? Non mais c'est quoi cette histoire, Stark? C'est à cause de ton manque de sérieux que tu t'es fait passer un savon? J'ai écouté le début et la fin, j'ai compris l'essentiel de la réunion, aucun problème. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en ai plus qu'assez, là, prends-toi un peu en main. Allons, allons, inutile de lui tomber dessus comme ça. Tu fais ça tout le temps alors que ça finit toujours par te retomber dessus, je vais y arriver. Tais-toi un peu, tu me donnes la migraine. Mais aïe, j'en ai marre. La relation qui les unit est bien étrange. Stark et Lilinette qui à la base faisaient un seul et unique Vesto de Lordes. Le ton est un peu monté, mais avec Stark et Lilinette, c'est toujours comme ça. Je me disais qu'après nous être penchés sur Stark, nous pourrions discuter de Lilinette. Mais elle est partie, nous n'avons pas trop le choix, allons la chercher. Et toi, qu'est-ce que tu fiches ici? Je reviens de chez Stark. Il a passé la réunion à dormir et là il continue à faire la sieste.
à la réunion de tout à l'heure. Il a l'intention de faire quelque chose un jour, lui. Et c'est un type pareil qui était Spada Primera. Je t'interdis de dire du mal de Stark. Hein, qu'est-ce que tu veux, toi? Respecte tes supérieurs, fractionne à la manque. Tiens. Ah. Oh là, ça ne va pas. Si ça continue, elle va se faire tuer. Voilà, ça finit, c'est fini, on en reste là. Pourquoi tu t'es interposé encore un peu et je lui faisais la tête au carré? Ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Tiens, voilà une association incongrue. Ça y est, la Poro, tout va bien. Je suis heureux de te croiser, Lilinette. Pourrais-tu me rendre un petit service? Qui, moi? Si c'est un petit service, je veux bien. Veux-tu te joindre à nous pour observer? Je peux. Allons jeter un coup d'œil alors. Étrangement aimable, ça y est, la Poro là. Faut se méfier, c'est un peu comme Mayuri, hein. Il t'invite à observer, et en fait, c'est toi le cobaye. Et donc, quelle est l'idée? Je me suis dit qu'il était temps pour moi de créer une nouvelle invention, et j'ai pensé qu'il serait intéressant de prendre des fractionnesses comme matière première pour la recherche, bien sûr. Pardon. Afin d'arriver à des résultats, il est nécessaire de procéder à divers tests et expériences. Mais après réflexion, c'est non. Tu as dit je veux bien tout à l'heure, je me trompe? Non, je veux pas. Allons, tu ne peux pas perdre. Je ne veux pas perdre de temps. Cesse cette résistance inutile, veux-tu? Non, t'approches pas. Voyons. On va s'arrêter là, d'accord. Stark. Ma foi, si c'est comme ça, pour cette fois, j'irai chercher une autre fractionnesse. Stark, merci de m'avoir. N'exagère pas quand tu vas te balader toute seule. S'il t'arrive quelque chose, c'est barbant pour moi. Stark, t'es vraiment irrécupérable. Eh bien, au final, c'était presque un happy end. Ah, les liens entre Espada et Fractionnes. Oui, voilà bien un sujet qui réchauffe le cœur. C'est un bon reportage qui a mis en avant la vie difficile des Fractionnes qui accompagnent les Espadas. Oh non, vous revoilà alors que je n'avais pas été dérangé la dernière fois. Et en plus, vous êtes deux maintenant. Un peu de respect pour les rubriques des autres, je vous en prie. Ouais, mais le lien entre Lilinette et Stark, c'est plus profond que ça. C'est parce que à la base, c'est la même entité. C'était à la base un seul Espada qui était tellement fort qu'il était seul, qu'il se sentait seul. Et c'est pour ça qu'il s'est divisé en deux, Stark et Lilinette. Donc le lien qui est entre deux, c'est beaucoup plus fort qu'un lien entre
Même entre Neliel et Pêcher et Dando Djaka, le lien il est beaucoup plus profond que ça pour le coup. Enfin, bref. Bah écoutez, c'était tout, c'était en 3 chapitres visiblement. J'ai cliqué sur accueil, mais vu que j'ai eu un personnage, je suppose que c'est la fin. J'ai quand même allé vérifier, mais. Hop. Mince. Cliqué à côté. Désolé. On fera sa fouaille difficile en time-lapse. Je vais peut-être le faire maintenant. Ouais, on est qu'à 10 minutes. Si c'est bel et bien fini, je vais faire ça. Oui, complété. Ouais, donc c'est fini. Voilà. Bon, et bah écoutez, si finalement, donc on va faire ça. Je vais donc faire. Ça m'embête un petit peu de le faire dans une histoire secondaire. J'aurais bien aimé le mettre au début plutôt de l'épisode de Safouaï 5. Après, je peux le tourner maintenant, hein, et vous le mettre plus tard. Est-ce que j'ai de quoi faire des tirages? On va pas faire le. On va pas faire le. L'accélérer maintenant. Et on va aller faire quelques tirages. On est qu'à 10 minutes, on a largement le temps. Il y a un nouveau tirage. Attendez, je vérifie un truc. Ah, on est bon. Hop, donc. Voilà, puis les orbes que j'utilise, je la récupérerai lorsque je ferai l'accéléré. De sa foi, il n'y a pas de souci. Ouf, ça tombe. C'est Onoana, ça. Ah non, c'est Neliel. D'accord, ok. Mais c'est la version. Ah! Non, non, j'ai cru que c'était. Non. Non, mais. Ça me fait plaisir. Ah oui, merde, je suis en train de vendre les 4 étoiles. Ah oui! Bon, je suis en train de. Je vends à chaque fois, mais parce que j'ai besoin de Kant, hein. Mais on garde les 5 étoiles quand même. Et ça me fait plaisir d'avoir un deuxième exemplaire de cette Neliel Second Resurrection. Elle est extrêmement balèze. C'est surtout qu'elle a une attaque de zone qui la suit. C'est extrêmement violent comme attaque. Non, malheureusement, ça ne tombera pas. Bon. Bon, au niveau des tickets de loterie, on a au moins 5 étoiles à faire. C'est la loterie d'événements, on va la faire. Yoyaku tsukanda. Bah, c'est Aizen, ça. Ah non, Tchad. C'est Tchad. Et c'est un nouveau Tchad! Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais il me semblait que c'était la voix d'Aizen. Là, les fans de Tchad vont m'insulter. Bon. On va utiliser les tickets de Brave Souls. Que dalle! Ah bah d'accord, ok. Bon bah que dalle, bah c'est pas grave, hein, ça. Ça m'a ramené des cants. On peut encore faire un tirage x10 de Brave Souls. Que dalle aussi, comme ça c'est réglé. Bon, bah pas de chance hein, au niveau de Janouveau Tchad, j'ai à nouveau Neliel Seconda Etapa qui est extrêmement violente. Pour la tour des épreuves, elle peut m'aider elle quand même. Bon. On va juste récupérer, c'est tout ce qui est lien de. Enfin, cadeau de. Ouais,
3 endpoints. J'ai 3 pages à récupérer, autant les utiliser. Et on va voir pour récupérer encore quelques volontés de Yogyoku, parce que je crois que j'en ai une vingtaine là, mais je suis assez juste, il me semble. C'est dans le magasin. Bon, on peut faire une dizaine de tirages, un peu plus. Zut. Pourquoi j'arrive pas à... oui, bon, c'est pas grave. Hop. Ah bah génial, j'ai 2 d'un coup. Donc déjà, ça c'est cool. 2 volontés de Yoku dès le premier tirage. Ça fait plaisir. Ah, ça veut pas, hein. J'en arrive que 2 au premier tirage, vous allez voir. Ça m'arrangerait pas, il m'en faudrait encore au moins une. Oh, c'est le dernier tirage en plus. Non, et je peux encore faire un après. Oui, 3. Ça fait 3 volontiers de Yogyoku et dernier tirage. Eh non. Bon, 3 volontiers de Yogyoku, ça me fait un personnage en plus à maxer. C'est tout, c'est... Ouais, c'est bon. Est-ce que j'ai de quoi feed par contre? Oui, j'ai de quoi feed. J'ai fait ouais, pas énorme par contre. Mais ouais. Donc on va maxer ce nouveau Chad. Yeah. Et on va voir ce qui est nécessaire. Est-ce qui est nécessaire pour upgrade un petit peu. Ok, Orihime et Rukia. Il faudra que je farme.
Bon, pas de soucis là-dessus, il faudra aussi que je le fide au niveau des personnages. Mais déjà 92% dès le départ, c'est plutôt pas mal comme... C'est surtout que j'aurais pas besoin de farmer des cristaux supplémentaires. Ça c'est plutôt... ça c'est plutôt cool. Enfin des gemmes je veux dire surtout. Et ouais, en vrai, elle est extrêmement classe, hein. Avec le sabre là et tout, avec la queue en flamme et tout, c'est... Quand je viens de voir, mais il n'y a pas... Du coup, on voit pas le numéro 3 dans son dos. Il y a pas de numéro 3 dans son dos. Il est pas non plus marqué sur le dos de Book. Enfin bon. Alors, et pour un Eliel, qu'est-ce qu'il lui faut en personnage? Alors il lui faut un autre Ichigo et j'ai manqué de force. Ok, donc je manquais de cristaux de force pour cette Néliel. Il me reste des feeders. Autant y aller. Alors, Ichigo, j'en ai besoin. Je n'ai pas besoin de... Toshiro. Aizen non plus. Non plus. Ok. Bon, il me manque quelques cristaux rouges, enfin quelques gemmes moyennes rouges. Là. Là, les médailles de raid, de toute façon, j'ai rien. On n'a pas le choix, hein. Il me manque 300, hein, c'est ça? Ah, il me manque 300 et quelques. Allez, 6 millions.
Attendez, qu'est-ce qu'il me manque d'autre en perso? Ouais, Ukitake et Grimmjow. Ok. Bon. Ouais. Sinon, voilà, il y a des 5 étoiles que j'ai. Enfin, des 6 étoiles que j'ai que je n'ai toujours pas maxé. Shinji, ce sera le suivant. Enfin, voilà. Donc. Une Shinji. Enfin, Shinji et une Soifon. Ça sera. Voilà, ce sera le prochain duo que je up. Après, ben, je vais maxer avec. On verra. On verra comment je max tout ça, mais. Bref, c'était. Donc, c'est fini pour cet épisode. Je vais tourner maintenant le timelapse pour le Safway, mais vous l'aurez au prochain épisode de Safway. Là, on va laisser faire les quêtes secondaires et tout, et je garde ce timelapse au chaud pour le début donc du prochain chapitre de Safway. Voilà. Je ne sais pas encore, mais il est possible que ce ne soit pas les OST de Bleach que je mette en fond, mais peut-être des musiques un peu plus originaux. J'ai un ami qui fait de la musique. Et déjà, il y a un morceau où je lui ai promis de le mettre dès que ce serait possible. Il y en aura peut-être d'autres qui vont venir. Donc, je sais pas encore. Si vous entendez des OST de Bleach, c'est que c'est pas encore fait. Si vous entendez des musiques un peu particulières, et ben, ce sera. Et que vous les trouvez sympas, et ben, elles seront en description. Elles seront aussi intégrées à la vidéo. Bref, mais ça, je vous le rappellerai au prochain épisode de Safouaï. Voilà. Sur ce, eh ben, je vous dis à l'épisode prochain pour une nouvelle histoire secondaire, je pense. Je pense que ça devrait tourner dans le thème de Noël, vu qu'on arrive en décembre. Au moment où je tourne, on n'est pas encore en décembre, on est encore en novembre, mais à mon avis, la prochaine histoire secondaire tournera autour de Noël. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt!